Papier parchemin. Les Français, vous appelez ça du papier sulfurisé ou sulfureux. Ça, c'est un papier qui est anti-adhésif pour faire en cuisine, pour faire les aliments. Là. On voit ici. On peut l'envoyer au four, on peut le... Ça, ça servait pour faire que des trucs avec du sucre. Ça colle pas dessus. Moi, je m'en sers pour une simple raison, c'est qu'il est transparent. Donc, je peux le mettre sur mon plan. Puis je peux le mettre sur mon plan. Puis je vais quand même voir à travers. Parce qu'on voit. D'accord, je vais quand même voir à travers pour pouvoir aligner mes morceaux. Et ça, je vais pouvoir. Aligner mes morceaux, les coller ensemble sans que ça colle sur mon plan. Donc, partie égale de chacune que je vais mettre là. Une fois que ça va être appliqué ici, je vais aussi en appliquer sur le revers de ce morceau. En fait, je vais en appliquer sur le revers ici du bloc de montage de l'aile. Je vais en mettre ici. Je vais en mettre le long du joint ici. Ensuite, je vais venir mettre mon CA le long ici. Sur le fond ici, parce que j'ai mon planche, mon planche. Donc le long ici, le long ici. Une fois que ça va être fait, je ne vais pas trop perdre de temps. Je vais assembler ça, comme ça. Et assembler ça comme ça. Pour ça que toutes les pièces sont bien collées ensemble. C'est l'une des choses que je veux voir. Parfaitement flush, non. Et... Ok. Je m'assurerai que mes deux côtés sont bien installés, mais ce que je vais m'assurer, là, c'est que j'ai un joint ici, là, je vais m'assurer que le joint est bien installé des deux côtés. Puis je vais m'assurer que j'ai mon 3/16 de pouce des deux côtés, de ce côté-ci aussi. Ce que je peux faire, c'est faire une marque pour venir m'aligner ensuite. Mais je pense pas que je vais avoir de problème. Ok, j'ai vu que sur YouTube, on peut faire des vidéos de 15 minutes avec des comptes normaux et des comptes individuels. On peut aller à 15 minutes. Moi, je croyais que c'était 10 minutes au départ. Je pense que c'était 10 minutes pendant un certain temps. Je pense que ça a été 10 minutes pendant longtemps. Maintenant, c'est rendu 15 minutes. Donc, mon durcisseur ou ma résine, peu importe l'ordre. Et là, je dois en faire assez pour venir faire la plaque là et ça ici. Donc, pas une tonne non plus. C'est à peu près comme ça. Puis là, ben, je vais mettre une smouche. Du bleu, une smouche du noir, puis je m'assure qu'il y en a de la même quantité. Ça ici, là, quand ça vieillit, ça devient... ça fige un peu. Et là, ça coule moins bien. En ce moment, c'est un petit peu le cas.
ce que tu peux faire, là, si tu arrives sur le fond d'une bouteille qui commence à figer un peu, peut-être un peu plus. En passant, c'est pas 50-50 pile. C'est mieux que tu sois le plus égal possible dans tes quantités. Mais c'est pas égal. Il y a une tolérance, une marge d'erreur possible pour cette réaction-là. Quand ça devient trop pris, quand ça devient un peu comme la tire, un des moyens de le rendre un peu plus liquide, c'est d'utiliser un petit plat, genre un plat de yogourt, puis de mettre de l'eau chaude, puis les mettre dans l'eau chaude avant de l'utiliser. Quand c'est plus la température est chaude, plus c'est liquide. Et au Québec, on chauffe nos sous-sols, nos caves à la même température que le reste de la maison, bien souvent, surtout dans les maisons plus modernes comme chez moi. Mais je sais qu'en France, en Italie, moi j'ai de la famille en Italie, je sais que là-bas ça peut être un petit peu plus problématique l'hiver parce que les maisons sont un petit peu moins bien isolées, moins chauffées aussi, puis l'énergie est beaucoup plus chère surtout. Donc j'ai mes deux parties, je les mélange, je viens appliquer. Après ça, j'applique mon CA. Une fois que mon CA est appliqué, là, après là, il faut que je bouge. Il faut que j'installe mes pièces rapidement. Sans quoi, mon CA va durcir. Puis, après, je vais avoir un job de papier sablé à faire pour tout enlever ça, pour pouvoir recommencer. Il ne faut pas que je mélange pendant 5 minutes, on s'entend, parce qu'il va juste me rester 5 minutes après pour coller. Mais une fois que je l'ai mélangé comme il faut, là, que j'ai bien retiré les coins, la colle qui s'est ramassée dans les coins, tout ça. Je peux utiliser mon même bâton pour l'appliquer, ou ce que je peux faire aussi, c'est utiliser un petit pinceau pas cher. Hein. C'est spécialement fait pour ça, regarde, c'est des petits pinceaux avec un manche en métal, puis des petits poils. Regarde celui-là, là, le même qui a déjà servi parce qu'il est collé un peu. Ce que j'ai fait, c'est que je m'en suis servi, probablement avec de l'époxy ou de la résine de finition. Puis je l'ai trempé dans l'alcool. dans l'alcool pur ou dans l'acétone pour le nettoyer. En passant, l'alcool pour nettoyer, pour utiliser comme solvant, je vous en parlerai peut-être une bonne fois. Là. Mais j'ai trouvé une source d'approvisionnement. Parce que ça, je ne peux pas prendre l'alcool à friction. L'alcool à friction, c'est de l'alcool qui est mélangé avec de l'eau. Il y a un pourcentage d'eau dedans. C'est seulement 70%. C'est réduit. Tandis que l'alcool qu'on sert comme solvant, en réalité, initialement, c'est de l'alcool de l'éthanol. Même produit qu'on boit. C'est sûr que nous, ce qu'on utilise dans le modélisme, c'est la version dénaturée. Dans le bricolage, en fait, pas juste les modèles. On appelle ça, les Américains appellent ça DNA, denatured alcohol. Des petits morceaux de colle qui ont comme pris un peu. C'est de l'alcool dénaturé, donc l'éthanol. Dans laquelle ils mettent un produit pour le rendre poison, pour s'assurer que les gens ne se saoulent pas avec. Souvent, c'est de l'hydrate de méthyle qu'ils vont utiliser. Là, souvent, j'ai de la colle déjà en masse. Fait que ce que je vais faire, c'est que mon joint en arrière, je vais faire à l'époxy aussi. Ça ne changera pas grand-chose pour personne, mais tant qu'à avoir la colle de mélanger. Ouais. Pour éviter que les gens se saoulent la gueule avec les solvants, les manufacturiers mélangent un peu d'hydrate de méthyle, là, le fameux alcool de bois, avec l'éthanol. Ça, l'époxy, ça vient chaud hein, quand ça réagit. Si tu réussis à le garder moins chaud, la réaction prend plus de temps. Donc j'ai posé ça. Maintenant, je vais mettre mon joint de CA. Puis s'il me reste la colle, là, après, je vais peut-être venir en rajouter le long de mon joint.
Oui, ben c'est ça. Ils mettent de l'hydrate de méthyle dans le col de peau pour leur rendre poison, pour empêcher les gens de suer la gueule. Et c'est ça. Chez nous, l'alcool au Québec est difficile. Bon, il n'est pas difficile, mais il est facile à trouver. Tu vas à la Société des alcools du Québec. Puis ils t'en vendent voilà aussi, mais c'est des petites quantités qui vendent à des prix exorbitants parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de taxes dessus. Mais en réalité, ils te vendent de l'alcool dénaturé, un gallon, 3,8 litres. Ils vendent ça pour des bagatelles. Ils vendent ça pour 10 $, 20 $. Alors que pour 20 $, tu as à peine un flasque de quelques centaines de millilitres d'alcool. Les endroits où on l'achète pour la boire. Enfin. C'est les taxes. Là, ce que je fais, c'est que je vais mettre mes morceaux ensemble. Et comme pour le devant, j'ai pas beaucoup de temps pour faire mes choses. Déjà, ça, c'est collé. Comme ça, j'ai pas trop de temps. Je vais placer les pièces. Comme ça. C'est vrai que le fond devant, le fond et le côté sont déjà collés ensemble. Puis là, ben, l'idée d'avoir mis de l'époxy derrière, c'est bon parce que ça va me donner une chance de venir assembler. Ok, ça c'est bien pris ensemble. J'ai pas vraiment besoin de m'énerver parce que mon joint devant semble bien collé déjà. Je vais mettre tout ça bien égal. Ça semble bon. Ça, bien égal. Je sors ça. Ok, moi ça me satisfait. De l'autre côté, j'ai de la colle qui a comme sorti de l'époxy. Fait que là, je vais venir nettoyer ça avec rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller mon morceau tout de suite. Profiter du fait que la colle est pas encore prise. Je vais venir coller mon coin, comme ça je n'aurai pas à gratter puis à ajuster le morceau pour lui. Mais avant de faire ça, je vais mettre une petite serre en haut. C'est bon, tout est mis à côté, bien collé. Je ne sers pas trop, pas exagéré non plus. Comme ça. Il semble bien ajusté. Et là, comme il me reste la colle, pour ne pas gaspiller, je vais venir enduire mon triangle. Comme ça. Puis si c'est pas correct, ça va être trop tard, ça va être pris. Là, on commence à transformer la colle là. Pas je traîne parce que elle est chaude aussi, là, le contenant commence à réchauffer. Je mets une couche de colle là-dessus. Je vais pas m'empêcher de venir nettoyer après, je vais vous montrer après. Puis j'ai mis de la colle époxy en arrière, enfin, je vais mettre une serre aussi pour. Donc j'ai mis de la colle sur mon triangle. Puis je vais mettre mon triangle dans le fond ici, bien au fond. Puis lui. Ça va faire un joint pas indestructible, mais presque. Et là, pourquoi je vous ai parlé de l'alcool tantôt? Parce que l'alcool, c'est un solvant. Et puis c'est le solvant que je vais utiliser pour me laver les doigts. Parce que j'en ai tout sur les doigts. Ça, c'est de l'alcool de laboratoire. Là. C'est de l'alcool pur. 99% ou quelque chose comme ça. Et je me nettoie les doigts. Et là, ça a débordé un peu ici. Je vais le nettoyer. Ça pique un peu, là, si vous avez des petites coupures. Et là, je vais nettoyer. Oups! J'ai tellement bien nettoyé que mon morceau a levé.